C'est parti. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Drenec, ici par ce très beau soleil du mois d'octobre. L'idée était de vous parler d'une installation qu'on aimerait mettre en place sur l'île de Drenec pour produire de l'eau chaude. Alors on a déjà une première installation existante, donc l'installation des cuisines là qui nous permet donc de produire de l'eau chaude pour les cuisines de Drenec qui accueille en saison quand même entre 100 et 120 stagiaires. Donc on est autonome là sur la production d'eau chaude dans les cuisines. Ça nous permet quoi? Ça nous permet d'économiser le transport de dizaines de bouteilles de gaz tout au cours de la saison, bouteilles qui font quand même à l'unité à peu près 80 kg. Donc ça fait une économie de gaz et puis une économie aussi, un confort en fait pour les équipes qui travaillent sur place. Voilà, donc là l'idée c'est qu'on reproduise cette expérience qui a été jusqu'à maintenant très bénéfique en fait, donc qui nous rend autonome en fait, je le répète, mais qui nous rend vraiment autonome sur la production d'eau chaude dans les cuisines de Drenec. On veut reproduire ceci dans les sanitaires, donc pour éliminer notre chauffe-eau à gaz et le remplacer aussi par un chauffe-eau solaire, donc pour que nos 120 stagiaires puissent bénéficier de l'eau chaude solaire. Donc voilà, il y en a beaucoup du soleil ici sur l'archipel, donc on veut en profiter pleinement. Voilà, donc de l'économie, du développement durable, prendre soin aussi des équipes qui travaillent sur place. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments qui sont très très favorables pour le développement de ce type d'installation sur l'île de Drenec. À bientôt. Merci Olivier.